Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va retrouver aujourd'hui la généalogie sur les taurennes. Et dans un autre temps, on fera l'histoire complète des taurennes. Mais pour aujourd'hui, c'est la généalogie qui prime. Et revenons un petit peu sur nos amis, les taurennes qui sont apparus à Reign of Chaos, c'est-à-dire Warcraft 3, Reign of Chaos, hein, le jeu de base Warcraft 3. Et c'était une race complètement nouvelle, hein, dans la licence, puisque globalement, c'était une race qui n'était vraiment qui était endémique du continent, de l'ancien continent de Kalimdor, donc le continent ouest. Et pour le coup, eh bien, ça s'inscrivait donc justement dans cette découverte de nouveaux paysages, de nouvelles races, dont faisaient partie les Tauren, qui allaient devenir une race emblématique de la Horde, et les amis, les grands amis des orques, sachant que ça s'inscrivait vraiment dans cette logique de Warcraft 3 qui était de faire, en fait, tout simplement des orques, on va dire plus humains, des orques avec des valeurs, etc. Et le principe avec les Tauren, c'est la même chose, hein, c'est des races qui viennent de l'Heroic Fantasy, les Minotaurs, hein, qui sont généralement dépeints comme des créatures maléfiques et malfaisantes. Et bien là, on allait retrouver nos paisibles Tauren, beaucoup plus humains, beaucoup plus sentimentaux également. Donc comme je le disais, une longue vidéo arrive. En attendant, commençons par la vidéo simple, la vidéo beaucoup plus courte sur la généalogie, avec notamment, eh bien, revenons aux origines, avec le tout premier ancêtre des Tauren actuels, que l'on nomme Yongol. Mais attention, ce n'est pas le Yongol de Pandari, il ne faut pas le confondre avec le Yongol de Pandari, d'où cette silhouette un petit peu spécifique. On ne sait pas exactement à quoi il ressemblait, c'est juste une sorte de race de bovidés humanoïdes, hein, comme nos Tauren actuels, mais avec une forme spécifique, et on sait que ce sont les descendants d'un dieu sauvage bovidé inconnu. Alors, il y a des théories évidemment sur le fait que ce soit probablement Nuzao, hein, le dieu sauvage de Pandari, mais on n'est pas sûr. Et en l'occurrence, eh bien, en fait, c'est le seul dieu sauvage bovidé, donc c'est le seul, donc c'est vrai que pour le moment ça semble être le plus logique, mais ce n'est pas une information sûre. Nous avons donc ensuite ces ancêtres Yongol qui vivaient à peu près, là c'est important, qui vivaient sur l'ancienne Kalimdor. Quand on parle de l'ancienne Kalimdor, on parle de l'ancien continent de Kalimdor. Je parle pas cette fois du continent ouest, mais bien avant la guerre des anciens, avant la dispersion et la grande fracture des différents continents, donc à l'époque où vraiment tous les continents étaient ensemble. Et bien à cette époque, les ancêtres Yongol justement vivaient au centre de l'ancienne Kalimdor, sous la bienveillance et la guidance de Cenarius, mais ils furent chassés au sud dans un conflit de niche écologique, hein, dans une compétition biologique entre deux espèces, à savoir l'espèce des Yongol de l'époque et tout simplement les trolls qui étaient beaucoup plus compétitifs au niveau des terrains de chasse, au niveau alimentaire, etc. Plus nombreux, s'adapter plus vite, etc. Et du coup, eh bien, ce qui montre d'ailleurs encore une fois la capacité de développement et d'évolution de la race troll qui avait du coup, eh bien, chassé, qui avait forcé, sous peine de déclin et d'extinction, eh bien, avait forcé ces Yongol à changer de territoire, partir beaucoup plus vers le sud. Ce qui est quand même une douce ironie de l'histoire, étant donné que, je veux dire, les trolls et les Tauren aujourd'hui entretiennent probablement l'une des relations les plus fortes dans le monde de Warcraft, avec également les orques, bien sûr, au sein de la Horde, hein, et ont fondé la Horde telle qu'on la connaît à Warcraft 3. Donc c'est assez rigolo de voir ça, même si bien sûr c'est pas les mêmes trolls et qu'on remonte à une époque très très ancienne, non datée. Bien entendu, chassés dans le sud par les trolls, ils s'installèrent donc sur les terres contrôlées qui deviendront la future Pandari, mais à l'époque ça ne s'appelle pas la Pandari, mais c'est la partie sud de l'ancienne Kalimdor. Et comme on le disait, bah, ils ont été chassés par les trolls. En s'installant sur ces grandes terres, ils furent finalement, ils ont été au conflit avec la civilisation troll. Là, ils rentrent en conflit avec la civilisation Mogu. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que les trolls, à ce moment-là, on ne sait même pas vraiment si c'était vraiment les balbutiements de l'Empire Troll, est-ce que c'était les Andalari ou autre, on ne sait pas, c'est assez vague. Mais en tout cas, eh bien, ils furent réduits en esclavage plus tard par l'Empire Mogu de Leishen, et pour leur capacité à pouvoir soulever des charges très lourdes et servir de sorte de bête de trait, pour le trait tout simplement, pour pouvoir aller dans la logique de grande construction des monuments exceptionnels Mogu en tant que grand bâtisseur. Et du coup, ils avaient besoin de ces esclaves extrêmement forts, extrêmement capables tout simplement dans la construction.
Et donc les Yungle avaient un statut un peu particulier en termes d'esclaves de la civilisation Mogu. Et au final, eh bien, ils feront partie lors de la révolte de Kang, qu'on devrait plutôt appeler Révolution de Kang, vidéo sur la chute des empires, où eh bien, l'empire Mogu va s'effondrer sous le poids des... sous la libération des esclaves, notamment Port d'Arène. Mais les Yungle en faisaient partie, ce qui va aboutir à la chute de l'empire Mogu. Et donc, eh bien, les Yungle vont se libérer suite à cette révolution victorieuse de Kang, hein, parce qu'une révolution, c'est une révolte qui a réussi globalement. Eh bien, certains Yungle plus paisibles vont repartir vers le nord, vers leurs anciens territoires, et tout simplement, eh bien, en quête de plus vert pâturage, si je puis dire, ils s'installèrent donc très loin au nord, dans les terres gelées du nord, ce qui deviendra le Northrend, près des chaînes de montagnes, des pics foudroyés. Et au contact de cette chaîne de montagnes et de ses alentours, eh bien, la forge des volontés, dit en place Aldua, va les modifier, ce qui va créer les Tonka. Personnellement, je vais en profiter pour faire ma petite analyse là-dessus. Je trouve ça extrêmement con que ce soit la forge des volontés qui les ait modifiés et pas juste une évolution naturelle. Le fait de vivre dans des conditions climatiques assez difficiles, assez austères, et de vivre dans un climat plus froid, avec aussi des aliments, de l'alimentation différente, etc. Tout simplement, l'évolution fait bien les choses et les Tonka pouvaient, enfin, pouvaient tout simplement être des Yungle qui se soient très bien adaptés à un climat un climat plus rigoureux, plus froid. Tout simplement, maintenant, il a fallu le côté créationniste à fond les ballons de la Forge des Volontés. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, bien sûr, je pense que si on interviewait les développeurs, ils diraient probablement que c'est un peu les deux, mais c'est un petit peu dommage de devoir tout cantonner à l'œuvre des titans, alors que, bah non, l'évolution fait aussi très bien les choses, et on a des preuves d'évolution sans contact des titans directs par notamment les trolls, donc c'était tout à fait possible de le faire. Nous avons un autre groupe de Yungle qui s'installa dans les régions plus chaudes autour du Puits d'Éternité, donc vraiment le bassin dans lequel les ancêtres Yungle habitaient. Et nous avons, eh bien, tout simplement, la redécouverte de Cenarius au niveau de ces Yungle, qui redécouvrent du coup leurs anciennes traditions druidiques et chamaniques. Et petit à petit, eh bien, dans cet endroit très lié à la magie et très fort en magie, puisque c'est pas loin du Puits d'Éternité, eh bien, ils vont évoluer petit à petit en devenant les Tauren tels qu'on les connaît, ce qu'on appelle également les Shuao. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une véritable explosion démographique pour ce qui est des Tauren, puisqu'ils vont ils vont avoir la conquête de l'Ouest, hein, sans mauvais jeu de mots. Ils vont, et bien sûr, se développer à peu près tout autour du Puits d'Éternité, mais notamment voguer vers l'Ouest, vers ce qui deviendra justement la Kalimdor actuelle, donc tout simplement l'Ouest de l'ancien continent de Kalimdor, et ils vont, et bien, continuer la chasse, la tradition d'élevage, notamment des Kodo, plus spécifiquement, vraiment, la culture Tauren va se baser autour de la chasse et de l'élevage des Kodo, ces grands troupeaux migrateurs, etc. On y reviendra bien sûr dans la vidéo dédiée sur l'histoire complète des Tauren. On précise généralement d'ailleurs que le nom de ces Tauren à l'ouest, on appelle ça les Tauren de Kalimdor, la nouvelle Kalimdor, mais les Tauren de Kalimdor justement pour les différencier des autres Tauren que l'on va évoquer juste après, à savoir les Tauren Orok. Il y a 10 000 ans, donc les Tauren aux alentours du Puits d'Éternité, hein, vers le Puits d'Éternité, donc au centre de l'ancien continent de Kalimdor, eh bien, vont rejoindre la résistance Kaldorei, à savoir les Elfes de la Nuit, lors de l'événement de la Guerre des Anciens, sous la férule de leur chef, qui unifia les tribus, à savoir Uln Orok, ou Uln High Mountain en version originale. Ce qui va d'ailleurs permettre, donc ils vont être des grands artisans de la victoire de la résistance, de la coalition contre la Légion Ardente démoniaque, hein, la première invasion de la Légion Ardente lors de la Guerre des Anciens. Et Uln va être récompensé pour ses différents événements, pour différents actes, notamment son plus grand acte de bravoure, qui est le sauvetage d'un dieu sauvage, à savoir Echero, qui va lui, grâce à ça, eh bien, grâce au sauvetage d'Echero, qui est tout simplement l'élan, en fait, hein, l'ancien de l'élan, eh bien, il va recevoir la bénédiction de Cenarius, ce qui va lui donner justement ces bois d'élan, typiques de la population Orok. Donc tous les Orok vont avoir justement ces espèces de bois d'élan. Nous avons ensuite, donc en l'honneur de Uln, les tribus qui vont renommer leur terre natale, à savoir High Mountain Orok. Sachant qu'Orok c'est un petit jeu de mots, puisque l'Orok est un bovidé dans notre monde. Donc la traduction a fait un excellent travail là-dessus pour le Orok, le haut rocher, mais en même temps l'Orok, le bovidé. Là-dessus c'est vraiment très très malin. Et des milliers d'années plus tard, lors des événements de Légion,
Eh bien, une tribu tauren, en l'occurrence les Blood Totems, donc les Totems de Sang, eh bien, vont rejoindre la Légion Ardente en devenant les Gangres Totems, globalement. Et c'est pas à proprement parler une race à part, mais vu que la généalogie tauren à l'heure actuelle est encore assez petite, on va dire, il n'y a pas énormément de différentes espèces, on pourrait redécouvrir des espèces dans les futures extensions, comme on le disait, bah, les tauren, ils sont pas mal bourlingués, ils ont beaucoup bougé. En plus, la plupart sont des nomades, que ce soit les Tonka, les tauren de Kalimdor, ou même les Yungul, bah, y a vraiment un côté nomade. Donc découvrir des tauren sur des îles abandonnées, par exemple, je sais pas moi, au niveau de Tel Abîm, etc., ce serait pas déconnant. Et au final, eh bien, donc, les Gangres Totem, les Gangres Tauren, c'est pas vraiment une race à part de tauren, c'est juste des tauren corrompus par les démons, et ils ont pas survécu assez longtemps pour créer une sorte de... Enfin, c'est vraiment, ils sont aussitôt flingués, donc peut-être potentiellement il reste des survivants, ce qui me m'étonnerait pas. Mais globalement, ils n'ont pas suffisamment changé pour muter, même si on pourrait effectivement, dans la définition stricte d'espèce, ils pourraient être considérés comme une nouvelle espèce, mais sur le papier, c'est juste des tauren corrompus. D'autres vidéos sur les tauren arrivent, comme je le disais, on parlera en détail de l'histoire tauren et l'histoire Yungul, hein, pour être plus précis. Donc leur histoire complète des tauren, notamment vis-à-vis de la guerre millénaire contre les centaures. Et donc ça, ce sera vraiment l'histoire complète, très longue vidéo sur les tauren. Et dans je ne sais pas combien de temps, eh bien, j'avais prévu de faire une vidéo sur la déchéance des tauren, un petit peu comme celle sur les nains, parce que globalement, les deux races entretiennent une relation un peu miroir, j'ai envie de dire, d'un point de vue développement entre la Horde et l'Alliance, hein, l'Alliance les nains, du côté de la Horde les tauren, qui sont une race emblématique de la Horde, et pourtant, en termes de développement, ça a été un petit peu calme plat. Donc, sachant qu'il y aura un peu plus de positif, puisque à Dragonflight est arrivé de belles choses pour les tauren. Donc voilà, je sais pas encore quand ça arrivera, mais ça arrivera. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de généalogie sur les tauren. C'est une race que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup marqué, notamment si jamais vous aimez les tauren, je vous conseille, bien entendu, je peux vous conseiller 2-3 petits trucs, notamment jouer à Warcraft 3 avec le Reforge et le mode disponible sur le site internet malganir.fr. Et bien, vous pouvez retrouver le mode de créé par Guito, l'un de mes modos, pour avoir les voix d'époque. Et c'est vrai que pour ce qui est des tauren, Warcraft 3 les a mis vachement en avant, que ce soit sur Reign of Chaos ou Frozen Throne dans la Fondation de Durotar. Et si vous aimez un petit peu la lecture, bien sûr il y a la Guerre des Anciens, mais elle est plus éditée. Bon, il y a un petit truc sur les tauren, c'est pas énorme, mais c'est quand même assez important pour la culture tauren. Et surtout, le livre qui honnêtement fait un grand hommage, et je lui ai consacré une vidéo, c'est Prélude au Cataclysme. Prélude au Cataclysme qui parle beaucoup des tauren, notamment eh bien, de Bane et Cairn Bloodhoof, avec la perte de Cairn. Donc voilà, on reparlera aussi des tauren dans la vidéo sur Légion, mais ça je sais pas du tout quand ça arrivera. En attendant, merci à tous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus. Mes vieux os me font mal. Si tu vois ce centaure là, en bas, qui t'indique d'aller suivre les réseaux sociaux, notamment de suivre le YouTube, de le liker, ou d'aller sur Twitter et Facebook, n'hésite pas. C'est un gentil centaure, contrairement aux autres. Voilà, c'était Cairn qui vous parle de l'au-delà. Au revoir, Chouao.